Alors, vous attendez la deuxième partie, hein, de la vidéo, hein? Voilà. On continue l'histoire. Alors, la maman, non seulement elle s'occupe bien de son petit, de sa petite fille, mais une chose, c'est qu'elle a décidé de plaire au mari de sa fille. Elle a décidé que le mari de sa fille allait devenir son amant. Ah oui, la mère de la fille décide que elle va séduire l'homme. OK? Et elle, chaque fois que sa fille est partie, parce que son mari, il travaillait de la maison, il n'avait même pas besoin, il a des entreprises, il gagne bien sa vie, il n'a même pas besoin de sortir. Et la fille rentrait toujours tard et travaillait l'après-midi. Vous comprenez que quand elle revient, la maman, chaque soir, quand elle a couché le bébé, elle fait exprès pour aller se mettre belle. Elle fait exprès pour porter des petites lingeries le soir, pour regarder la télé avec le mari de sa fille. Vous comprenez? Elle s'installe chaque soir, soir après soir. C'est comme ça qu'un soir, ça c'est ce qu'elle rapporte, hein, ça c'est ce que la maman, l'histoire que je vous raconte, c'est la maman elle-même qui appelle, hein, et qui parle de ça. Alors, c'est comme ça qu'un soir, donc, la maman, elle sait bien que, vous savez bien les femmes, hein, les femmes, quand une femme veut un homme, elle va l'avoir. Moi, j'ai toujours dit ça, aucun homme ne peut résister à une femme qui veut vraiment, aucun homme ne peut résister. Je vous dis, aucun homme ne peut résister. Si la femme est jolie et qu'elle veut cet homme-là, elle va l'avoir. Alors, c'est comme ça qu'un soir, elle se couche, elle sait que le gars est bien, elle a couché les enfants et elle s'installe. Elle regarde la télévision avec lui, elle est sexy. Donc, elle sait qu'elle plaît au gars. Il y a des regards qui ont commencé à se lancer. Et à un moment donné, elle fait semblant de dormir. Alors, le mari de sa fille va chercher une couverture, comme vous voyez dans les films, hein, comme vous voyez dans les films romantiques. Donc, le mari va aller chercher une couverture pour mettre, pour la couvrir. OK? La couvrir. Et quand le monsieur la couvre, alors comme ça, elle lève la tête. Qu'est-ce que vous croyez qui est arrivé? Ils se sont embrassés. Fougueusement, ils se sont embrassés. Et cette nuit-là, c'était le début d'une aventure. Le début d'une histoire. Le début d'une histoire qui va se répéter soir après soir. Soir après soir. Et sa fille ne remarque rien. La maman se fait toujours de plus en plus belle. La maman rajeunit davantage. La maman, elle a retrouvé ses 16 ans. Oh non, cette histoire est vraiment rocambolesque. On se retrouve pour une troisième partie pour la suite parce qu'elle est vraiment...